est parti, Manon, Paul ? Très très bon. Regarde si on voit les tourterelles. Pas de bruit. On va dire donc bonjour au jardin, comme on fait d'habitude. On ferme ses yeux. On ferme ses yeux. Et on écoute les bruits. On ferme ses yeux. Maintenant, on sent avec notre nez. On a quand même beaucoup de cours d'école qui sont bitumés, où il n'y a plus d'espace vert dans les cours d'école. Donc quand ils jouent dans la cour en bas, voilà, ils font du vélo, ils font du toboggan, mais il se passe beaucoup moins de choses au niveau du jeu et de la coopération qu'ici on retrouve dans un espace naturel. J'ai vu ça et ça s'est accroché pour le bureau. C'est juste un bébé. Ça nous a vraiment convaincus encore plus de le faire. Enfin, voilà, en classe, on a le masque tout le temps, même si on le garde dehors, voilà, on prend l'air. Et puis voilà, et puis on donne de la liberté aux enfants, on donne autre chose que le quotidien. Enfin voilà, leur donner un peu d'étoiles dans les yeux. Je suis en train de mettre du bois dans la cheminée. Parce que sinon, ça va pas flamber, mais j'ai toujours pas fabriqué le feu. Quand on est en posture assise en permanence, ça ne nous permet pas de passer de l'apprentissage, de l'apprendre au comprendre. Pour comprendre, les scientifiques l'ont démontré en sciences de l'éducation, on a besoin d'être en mouvement. Ils viennent au jardin d'habitude, ils ont ramassé un petit peu les bambous qui traînaient partout et ils ont fait un tas, ils ont rangé. Comme ça, on peut attraper.